Pour l'instant on arrive à le neutraliser, par contre au prochain tour ça va devenir compliqué. La créature ciblée de force inférieure ou égale à 2 ne peut être bloquée ce tour-ci. D'accord, ok. Tant pis. Thank you.
D'accord, j'aurais pu l'avoir comme ça depuis le début en fait. D'accord. C'est comme ça que ça marche. En fait, elles sont excellentes ces cartes-là.
pourquoi j'ai mis 5 ici. C'est parce qu'elle va se faire intercepter, c'est sûr. Par contre ici j'ai mis 3 parce que elle peut pas être interceptée vu que j'ai sacrifié celui-là, si j'ai bien compris. Normalement comme lui, il permet... Elle ne peut être bloquée ce tour-ci. Ce qui veut dire qu'il n'y a personne qui pourra s'interposer, donc elle va passer les 3 points que j'ai besoin pour mettre à 0. Ah bah même les deux sont passés en fait. Ok. C'est bon. Ouais, c'est bon à savoir ça en fait. Très très bon. Ah bah ouais, on a mis le temps mais on commence à comprendre un peu les dynamiques. Un petit coup de boisson. Voilà voilà. Alors, ce qu'on perd, c'est rituel. Réduire en cendres. Réduire en cendres inflige 5 blessures à une créature ciblée. Si cette créature devait mourir ce tour-ci, exilez-la à la place. D'accord. Et là, ce qu'il me propose... Bon, là, c'est un 4. Maître Vandal Gobelin. Les autres gobelins que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 1. Sacrifiez un gobelin, détruisez l'artefact ciblé. Ce sort ne peut être contracté, le contrecarré, le brasier incontournable inflige 6 blessures à n'importe quelle cible. Waouh, c'est beau ça. Wow, dragon des volcans. Vol célérité. Une créature avec célérité peut attaquer et dès le tour où elle arrive sur... D'accord, célérité c'est... il n'y a pas de mal d'invocation. Ok ok, bon bah on est bon là. On a fait tout. On va se laisser là et je reprendrai une vidéo pour m'attaquer au 5-5 de... Ouais, au 5-5. Donc voilà. J'espère que ça vous plaît. Moi je m'amuse bien. J'avoue que j'ai mis du temps, je connaissais depuis longtemps hein, Magic, mais c'est plaisant. C'est vraiment plaisant. Bon allez, je vous laisse. Salut! Oh tout le monde, bienvenue. On continue, on va s'attaquer au 5-5, enfin du moins je vais essayer de m'attaquer au 5-5 parce que je pense que je vais encore en baver comme c'est pas possible. J'ai rien d'autre là qui s'est mis. Deux courants, deux inhabituels, un rare. Ah c'est les... c'est quoi? Constructeur de tech, parcourir les boosters. Ok. Et là à côté c'est quoi? Gagne des pièces d'or? Non, bon ça, de toute façon faut pas y rêver. Enfin non, c'est ceux-là qu'il faut pas rêver, non, c'est les gemmes. Ok, bon allez, on arrête de perdre son temps. Ceci n'est pas une carte. Allez, on y va. On était resté là-dessus la dernière fois. Ah, on peut commencer à faire du mulligan. Alors, j'ai 3 mana. Une choc. Tunnelier gobelin. Alors ça c'est quoi? Les créatures que vous contrôlez gagnent plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Ok. Attaquer avant le deuxième tour.
Bon, on va essayer en gardant. Et si ça marche pas, la prochaine fois, on fera un mulligan. C'est quoi là? T'es sérieux? J'ai pas le temps de jouer. J'ai pas le temps de jouer. C'est normal? D'accord. J'ai pas compris si ça se passe comme ça sur du V5. Ah là on joue vraiment. Ah je crois que là on joue vraiment en fait. Ah ok, on joue vraiment en fait. Je crois que je vais me faire carotter, hein, mais bon. Ah, il passe. Quoi qu'il arrive. L'autre passera quoi qu'il arrive.
Punaise. Je vais me morfler.
c'est du bol, hein. Croyez pas que je sais ce que je fais. On a gagné ? Cool ! On a gagné ! Ah ouais, et donc tu ramasses la galette quand tu... Ouais, je rebois. Mais en fait, tu ramasses la galette quand tu fais des actions comme ça. Ok, donc... I am a Johnny Goldman, and I will be your friend. Alors, ça on l'a fait, on a 5. I've lost so much already. I won't lose more. Bon, ça c'est c'est pas un pack aggro, ça doit être plus Alors, j'ai 2 manas. 2 manas ici. Mettez un marqueur plus plus. Fouilleur de jungle. Oh. Ouais, ça va faire mal. Là ça va devenir compliqué.
va être chaud. Ouais, de toute façon, quoi que je fasse... Il a un beau deck. Ah, quoi qu'il arrive, qu'on perde ou qu'on gagne, on récupère quand même.